Bonjour tout le monde, la cour Sankofa, c'est au bourg de Saint-Joseph. Vous y retrouverez une boutique associative solidaire avec une librairie panafricaine, avec des ouvrages. Nous avons, pas plus tard qu'hier, nous avons eu de nouveaux ouvrages. Donc, National Agriculture, par exemple, nous avons eu hier. Donc, nous en avons 6 pour vous. Civilisation aux barbaries. Des ouvrages panafricains, Cameroun. Nous avons des petits manuels qui ont été écrits par des Martiniquais. Coiffure crépue. Le yoga des pharaons. Transfanon. Les origines des langues africaines de Jean-Claude Boli, le nouvel ouvrage de Jolo, dont il a fait une conférence, 3 conférences vendredi, samedi et dimanche. Un ouvrage assez intéressant, La gloire des rois éthiopiens. Les damnés de la terre, François Fanon. L'Afrique dans l'Église, Parole d'un croyant, l'ouvrage des réparations qui a été co-écrit par, vous voyez, par exemple, nous avons Rosa Amelia Plumel, Luc Renette. Nous avons les ouvrages de Bob Basson. Théophile Benga. Nous avons les ouvrages aussi de Homo Tunde. Nous avons aussi les ouvrages de Dibamba Ribog avec la méthode Kuma, Reine d'Afrique, et nous avons le rayon pour les enfants. Nous venons juste d'avoir cet ouvrage-là qui est très intéressant, comme un million de papillons. Donc là, c'est parti, enfin. Nous avons ici, là, j'ouvre un peu, les Adinkra. Ce sont des symboles utilisés par le peuple Akan. Donc, si vous voulez initier les enfants à ces symboles. Là, les enseignants seront contents. Donc j'ai de nouveau ces ouvrages là qui partent assez vite, hein. L'histoire de l'Afrique et de sa diaspora pour les enfants de 10 ans. Ici l'histoire des Antilles françaises, dites françaises je dirais. Là, un cahier d'activité pour les 6 ans. La Kousekoufa, c'est aussi les confections artisanales. Donc nous avons ici les huiles pour les cheveux, pour la peau. Là, nous avons aussi de l'essence de vanille, d'acacia, l'huile de coco, l'huile de Nîmes. L'huile de Nîmes est assez intéressante. C'est, voilà, insecticide naturel pour gales, répulsifs, anti-moustiques, anti-inflammatoires, antibactériens, antifongiques, calmer les démangeaisons, anti-pelliculaires. Nous avons aussi les baumes. Là, c'est le cacao. Les baumes pour les cheveux, les produits de la ruche, la propolis, voilà, le pollen, les bols en terre, les assiettes pour la décoration. Oui, nous avons la sauteuse, nous avons aussi là des sauteuses, des marmites, les colliers qui sortent de Côte d'Ivoire. C'est fait avec des os. Très beau collier. Donc nous avons les vêtements femmes qui sortent de Côte d'Ivoire pour la majeure partie d'entre eux, des jupes avec le top féminin, l'ensemble. Et nous avons, donc j'ai mis le savon, le shampoing à l'extérieur pour vous. Donc ça c'est un shampoing. Donc c'est totalement naturel, voilà,
ici nous avons karité Chicacay, karité Moringa, là ce sont des savons, karité hibiscus, de l'huile de moutarde que je ne connaissais pas, toujours karité, des poudres de masque pour les cheveux, du beurre d'avocat. Tout ça, ça c'est fait localement. Voilà, tout ça, ce sont des produits qui ont été effectués par nous-mêmes. Ici, pour ceux qui connaissent le jeu Awale, donc nous avons une initiation qui se fait les samedis après-midi avec Madame Michalon. Alors, on mange les graines de baobab comme on mange le tamarin. Voilà, il y a une graine. Donc, c'est très très bon. Nous avons la poudre pour faire le jus, la poudre de corosol, le charbon pour mettre, vous mettez un carré dans votre bouteille d'eau, ça tient 2 semaines. Et une fois que vous avez tenu 2 semaines avec le carré, vous le laissez assécher, puis ça servira de brûleur pour votre barbecue. Donc des feuilles de bois d'Inde. Ici nous avons d'une kinkeliba. À tout mot, voilà. Éponge végétale pour se laver, les chips, bananes, patates douces, je ne sais pas s'ils laissent des patates douces parce que c'est très bon, fruits à pain. Donc celui-là, il a été préparé, ça s'appelle, le sac s'appelle le sac préparation, du recyclage. Là, tout à l'heure là on parlait des Zadinkra. C'en est un, ça c'est pour l'énergie. Le sac Yin Yang. Ici nous avons un magnifique collier. Nous avons aussi les magazines Racines qui sortent de Guadeloupe. Ils sont très très intéressants parce que c'est un concentré d'informations, de résumé. Notre africaine spéciale Check on the Job, et ils sont pas très chers, c'est à la portée de tous pour avoir un résumé, comprendre la situation de l'Afrique, Racines et textes fondamentaux, Thomas Sankara. Donc pour les adolescents, pour les enfants, pour qu'ils puissent comprendre facilement et en clair et rapidement les événements du monde de la diaspora et des Africains. Alors nous avons de beaux mannequins et sur lesquels nous posons effectivement les robes. Une production locale. Des robes uniques, taillées uniques. Magnifique, je vais poser la photo de une de nos clientes tout à l'heure. Les chemises hommes. Donc là, ce sont les dernières de ce style, parce qu'elles se sont très bien vendues. Sinon, nous avons... Ça, c'est un nouvel arrivage. Voilà, les chemises. Là, c'est un ensemble. C'est une short avec la chemise. Donc oui, à la Koussankofa, nous pensons aux hommes aussi. Venez savourer aussi nos glaces. Passion, rhum raisin, coco, goyave, les colliers. Vendons les livres, mais nous les protégeons aussi pour vous, avec un film transparent. J'allais oublier les chapeaux en tissu, les marie-têtes. Ah, nous ne voyons pas le beau collier qu'il a. Magnifique collier. Dans votre collier, ils viennent de Côte d'Ivoire.
venons de recevoir l'huile de Codou, excellente en massage, elle apaise la fièvre chez l'enfant, elle hydrate, illumine la peau et les cheveux, relaxe les muscles, puissant en duo avec son savon noir traditionnel, savon noir que nous avons aussi ici. Et nous avons aussi vos couverts, toujours à portée de main, vous voyez. Au lieu d'avoir du plastique, mais vous avez vos couverts avec votre petit sac. Et je vous montre ce que nous avons reçu. Aya, il y en a 6. Voilà. Nous avons reçu Message au peuple, le cours de philosophie africaine, traduit par Amama Zama. Nous avons aussi des petits coloriages pour les enfants. L'impératif motif afrocentrique. Et un ouvrage à lire, vraiment intéressant, de José do Nascimento, Le chemin de la modernité en Afrique. Pour changer l'Afrique, changeons le paradigme. Nous sommes ouverts les mardis, mercredi, vendredi, samedi, de 10h à 18h. Nous sommes au bourg de Saint-Joseph, à la rue Thalie Orbazan. À très bientôt. Et bien sûr, nous faisons des conférences. Nous avons une salle de conférence, bien sûr. Donc, voilà. Donc, à très bientôt avec nous, la Pousse en Copa, qui a un an depuis hier.